je peux m'organiser là, si je fais ça comme ça. Admettons, 4 heures temps libre. 4, comme ça, et là, 4 heures temps libre. 1, 2, 3, 4. Ouais, allez, on fait comme ça. Ça fait qu'un repas par jour, mais bon. Allez, on fait comme ça. Donc, oui, et bien sûr, faut pas que je quitte. Et donc là, maintenant, normalement, la guidance spirituelle, entre autres, voilà, ça passe. Hop. Anti-alcoolique, voilà. Thérapie comportementale, ok. Hygiène et culinaire. Traitement de la toxicomanie, voilà. On va commencer par ça, hop, la guidance spirituelle, maximum. Ok, on peut en faire 4. Pas de soucis. Ensuite, les groupes. Ok, groupe alcoolique, on peut en faire que 2. Toxicomanie. Là, on peut y aller. Ok. Et thérapie comportementale. Qu'un seul. Ok. Hygiène et culinaire. Ok. Bon. Replanifier tous les programmes. Voilà, comme ça. Tout est nickel. Tout est parfait. Guidance spirituelle, je peux vraiment pas plus? Non, visiblement non. Après, le reste. Après, voilà, c'est du scolaire. Il y a les condamnés à mort, mais on n'en a pas. Ouais. Allez, maintenant on a le couloir de la mort, donc on peut, si on veut, avoir des condamnés à mort. Ah, oh, je sais pas. Honnêtement, pour une prison de femmes, j'ai pas envie d'avoir un couloir de la mort. C'est con, hein. Je sais pas, c'est pas pareil. Pourtant, les nanas peuvent être autant. Enfin, les nanas qui sont en prison peuvent être autant des enflures que des mecs, hein. Elles peuvent avoir tué avec barbarie, ce genre de choses. Mais je sais pas, autant le couloir de la mort pour une femme, ça me fait plus drôle que un couloir de la mort pour homme, quoi. Je sais pas. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait un peu bizarre. Pourquoi j'ai le live qui bug? J'ai des drops. Alors, j'ai pas de drop sur XSplit, mais je vois que le live bloque en fait. Mon bitrate, il est bon pourtant. Non, c'est bon, c'est revenu. Bon, j'ai encore de la sécurité qui arrive. Alors, on va s'occuper. Donc, enfin, j'avais engagé des maîtres chiens. Ici, c'est quoi? Ouais, c'est mes high sec, mais les high sec. Et ouais. Je commence à atteindre ma limite. Donc, il faut que je rachète des lits. Faut que je rachète des lits. Non. À chaque fois.
C'est bien ce qu'il me semblait qu'il me semblait voir quelqu'un sur le live. Il est resté vraiment qu'une fraction de seconde. Ok. Donc là. Ça va encore augmenter, mais ça va aller. Alors. M'ont toujours pas mis mes tuyaux. Ouais. Alors parfois le jeu bug. C'est-à-dire que là. Bon, attendez. Hop. Là, et là. Hop, je vais le réinstaller. Ok, je crois que je vais. Oh. Sauvegarder et recharger la prison. Déjà je vais faire une sauvegarde dans tous les cas, mais je vais la recharger pour parce qu'apparemment je sais pas la construction des tuyaux bug. Au bout d'un moment ça finit par bugger, donc faut recharger la prison. Ça prend une seconde. Voilà, et là si je regarde mon tuyau, non, il est toujours dans la file d'attente. Comment ça se fait? Je manque d'ouvriers ou... Je vais prendre des ouvriers supplémentaires. Ouais, ils sont tous attirés par quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Les lits que je viens de commander, ça c'est normal. Autre chose, on va s'attaquer à autre chose. On va s'attaquer aux gangs. Ok. Ah oui, puis il y a des meurtres et tout. Ah, tout va bien. Allez, en pause. On va gérer un petit peu les gangs. Alors, moi, les gangs, bah... Ah oui, alors. Le problème, c'est que les gangs, c'est bien, mais... Ok. D'accord. Ok, je vois le genre. Les gangs, je les résolverai hors caméra. Mais pour faire simple, c'est simple. Il va y avoir un bloc d'isolement que je vais réserver aux très hautes sécurités. Et en fait, je vais mettre tous les membres de gang en très haute sécurité et isolés, enfin en isolement permanent. Ouais, en isolement permanent, tout simplement. Et ça va permettre de résoudre les problèmes de gang. Alors résoudre oui et non, hein, ça, c'est un aspect positif et un aspect négatif. Je vais directement bâtir comme ça, tiens. Non, mieux que ça. Je vais faire carrément ça. Non, c'était pas une bonne idée ça. Non, c'est pas une bonne idée. Ah, c'était pas une bonne idée. Bon. C'est haut. Et bon.
Ouais, je vais peut-être me remettre en x10 quand même. Voilà. Bon. Parce que là j'avais encore 36 ouais j'avais encore 36 36 personnes en attente. Il va falloir que voilà, j'avais besoin de cellules supplémentaires. Et puis le bâtiment, de toute façon, je vais encore l'agrandir. Hein. D'ailleurs, je peux commencer, enfin je peux envisager déjà de l'agrandir une première fois, d'une certaine manière. Attendez, je réfléchis. Ouais, comme ça. Je prends le béton. Je me mets comme ça. Et là, j'agrandis comme ça. Et alors, attendez, du 3, ouais. Et là, je fais du 3 jusqu'au bout. Voilà. Donc là, déjà, j'ai le couloir en fait du haut. Et après, il va juste me falloir le reste du bâtiment. Que je ferai plus tard quand j'aurai vraiment plus d'argent. En attendant, ben le mes attentes, enfin les la plainte des de mes pensionnaires s'est réduite, donc j'en suis très content. Mais le problème, ce sont les cellules là de. Alors attendez, je regarde les pièces parce que apparemment j'ai encore des mères qui sont là. Alors, si je fais plus, non, j'ai pas plus de bâtiments. Donc bonne nouvelle, déjà j'ai déverrouillé tous les bâtiments que je pouvais créer. Et il me reste que deux bâtiments, enfin trois bâtiments qui n'ont pas été créés, à savoir le magasin, l'atelier, la chambre d'exécution et les cellules individuelles. Mais je vous ai dit, c'est une prison compacte, c'est une prison voilà qui est pas faite pour. Alors c'est dommage que on ne puisse pas refuser les prisonnières mères. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Salut aux deux personnes qui sont passées sur le chat, enfin sur le chat, sur le live. Attendez, excusez-moi. Parfois c'est chiant, j'ai le stream qui lâche. Je sais pas pourquoi. Pourtant mon bitrate il est bon. Enfin je comprends pas. Bon. Alors, c'était cette mission. Je refais un tour rapidement sur mes, non pas les programmes, sur les subventions. Alors, je vais la prendre, cette, en attendant d'en avoir 5. Ouais, la Green Mile, mais... Hey, ça me coûte que dalle. Enfin, ça me... En fait, il faut juste que je fasse une chambre d'exécution, faut pas que je fasse tout le complexe. Bon, faut voir. Alors ça, voilà, ça c'est la mort à faire. Ah, ça je l'ai. Ah non, je ne les ai pas attribués à des patrouilles, mais ça je peux l'avoir. Et ça, j'ai dit, il me faut juste des cabines téléphoniques que je vais poser tout de suite dans la cour. Depuis le temps que je le dis, depuis le début de celui-là, depuis le début de ce live aussi quasiment. Tic tic tic.
Ils sont où? Ils sont où? Les cabines téléphoniques. Bon. Voilà. Comme ça, un peu plus de sous-sous dans la popoche. Ouais, la libération anticipée, ça avance, hein. Je vois là, 3000, 9000, ouais, non, non, ça... Je libère quand même des... Enfin, il y a des prisonniers qui se font réhabiliter, donc tout va bien. Bon, en même temps, j'ai mis le seuil de réhabilitation assez haut, hein, 50%, C'est tranquille, hein. Enfin. Bon, est-ce qu'ils m'ont enfin posé ces tuyaux? Sauvegarde automatique. Non, toujours pas. Les mecs, qu'est-ce que vous foutez? Va reposer, on va réutiliser l'ancienne technique là parce que. Je sais pas ce qu'ils foutent les mecs, mais. Voilà. Là c'est en cours. Là c'était en cours. Je sais pas pourquoi ça a été. Les mecs se réveillent seulement maintenant, faut... C'est très très bizarre comment ça fonctionne. Enfin. Allez, maintenant que c'est posé, bah on va détruire ces tuyaux-là. Et annuler celui-là. Voilà, c'est bon, notre cuisine fonctionne. J'ai envie de dire, enfin. Alors, on va juste... Ouais, ok. Même pas encore entièrement d'ailleurs. Il manque des câbles ici. Là, je me dis aussi, wow, il est vraiment pas haut. Bah ouais, il manque les deux tiers des appareils auxquels il doit être connecté. Donc, alors, hop, est-ce que j'ai le... Écoutez, normalement, ça devrait être bon. Alors, on va engager davantage de cuisiniers parce que voilà, une vingtaine. Là, il y en a 50. D'ailleurs, on va produire, hein. Je veux dire, là, je vais ouvrir une chaîne de restaurants. Là, c'est plus une prison qu'il faut que j'ouvre. Ah, enclos enfermé par des portes. Il vous faut une porte, les mecs. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Hop. Ici c'est pareil, non non non, ici c'est bon, c'est juste là fallait un... Ah oui, alors ici pareil, enfin, moi je veux bien mais voilà, il y a un râtelier quand même derrière, faut si jamais il y a une émeute que les prisonniers arrivent à rentrer ici, voilà, je veux dire faut quand même qu'ils aient pas accès au râtelier en 2 secondes. On a eu un décès aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il... Ben alors madame, t'es décédée? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, apparemment tu t'es battu avec la miss là. Donc, parcours. Mauvaise conduite récente, destruction, attaque d'un détenu, attaque d'un personnel, blessure grave. Ok, d'accord.
des gangs. Donc il va falloir que je résolve les problèmes de gang. Ça, voilà. Ici j'ai trois gars, j'ai trois, ouais, j'ai trois cuisiniers, quatre cuisiniers qui se battent, mais bon. J'ai les entraînements au taser. Ah, j'aime bien, ça fourmille. Voilà, tout le monde fait le boulot. Fin... Bon. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Deux prisonnières. On a encore deux prisonnières qui... qui ont des enfants apparemment et qui peuvent pas être placées. Parce que sinon, niveau capacité, on a tout. C'est quoi ça? Pourquoi il est vert, lui? Oui, c'est... Bah, c'est la prisonnière que j'avais sélectionnée à l'instant. Bah ouais, bah elle est pas décédée. Je pensais qu'elle était morte. Bah non. Bah je sais pas qui c'était le décès là. J'ai pas vu qui était... J'ai personne dans la morgue. J'ai pas vu, pas compris. Bon, allez, on va prendre l'extension au nord, et puis ben on va augmenter le nombre de cellules pour les prisonnières. Ça fait déjà plus de 2 heures que je live. Wow, je m'arrête à 3 heures comme le dernier live. Alors, je vais peut-être m'arrêter un petit peu avant, remarque. Mais bon. Ok. Alors, déjà, autre chose que je dois faire. Alors, le problème de faire ça, je le sais, c'est que ça va être bruyant. C'est que ça va être bruyant, mais ça vaut le coup, parce que ça rapporte un max d'argent. Je vais faire une plus grosse foresterie, mais voilà, qui va prendre là, bah, toute cette partie-là de la carte. Je vais faire ça. Augmenter la zone de... d'exportation. Et puis ben c'est parti quoi. Je vais faire ça rapidement avant de m'attaquer à... En plus ça prend 2 secondes, hein. Voilà, foresterie. Hop. Voilà. Je me mets par exemple au coin de ce bâtiment. Voilà, là. Bing, allez. Et voilà. Et donc là j'ai une forêt. Je vais augmenter l'entrepôt. Ouais, j'avais dit que je le déplacerais. Mais... Marc, je pourrais le déplacer dans une pièce, mais voilà. Et évidemment, l'exportation, il va falloir également que je l'agrandisse. Parce que là, ça va produire du bois, mais de façon massive. Ok. Et un truc que j'aime bien faire quand voilà, quand j'ai beaucoup de... Ben, écoutez, l'entrepôt, c'est pas compliqué. J'ai dû le changer de place. L'entrepôt. Je vais le mettre là et je vais virer l'entrepôt bien en face. C'est bon, j'ai visé juste, c'est nickel. Voilà, donc là j'ai mes ouvriers qui vont voilà, qui vont détruire tous les armes notamment.
Et tout ça va être exporté, ça va en rapporter de l'argent. En attendant, on va augmenter cette cellule-là, parce que c'est cette cellule-là hein, qui pose problème. J'aurais très bien pu aussi voilà, en mettre là, mais enfin, voilà, je veux garder une logique quelque part. Est-ce qu'on agrandit? Je crois que j'aurais les capacités, hein, si je voulais, pour agrandir le reste de la prison. Surtout les mètres secs. Parce que là, je vois que les mètres secs. Ouais, il faudra que j'agrandisse tout ça. Une émeute. Une belle. Et j'ai pas pris de. J'ai toujours pas engagé de garde armée. J'en engage. Parce que là, j'ai une belle émeute là. Alors, je peux en engager 163. Au moins, j'en ai engagé que 100. Non, j'ai plus de thunes. Ok. Alors. Subvention. Subvention, subvention, subvention. Voilà, sécurité gouvernementale. C'est ça. Alors, je vais le prendre pour m'en souvenir. Il faut que je m'occupe de la. Oh là là, le sbeul. Oh, ce sbeul. Bon. Alors, personnel uniquement. Ici ça va de soi, mais ici personnel uniquement. Ok. Personnel uniquement, personnel uniquement. Personnel uniquement. Oui, il manque autre chose. Forestry, je peux pas la sectionner. Ok, bon. On va en calmer, hein. Non, c'est bon. Oh, moins 20 000 en pognon. J'ai plus de pognon. Bon. Donc, ouais, il faut que je m'occupe des patrouilles. Là, j'en ai là en plus. Donc, il me faut 2 gardes armés, 2 chiens. Voilà. Bon, faudrait que j'en fasse plus que ça en vrai, hein, pour maintenir ma prison un petit peu comment dire, en paix. Là, je voulais m'en... Bah oui, c'est l'achat des arbres qui m'a foutu dans le caca. Mais bon, ça a remonté. Voilà, je viens de gagner 350 en exportation, alors c'est que le début. Voilà. Et là, donc, vous voyez... Le bois que j'ai, hop, il est exporté. Et ça me rapporte de l'argent, simplement. Et ça, de façon tout à fait automatique, j'ai rien à faire. Juste à poser ma foresterie et avoir une zone d'exportation. Qui est suffisamment grande pour accueillir tout le bois que je vais produire. Parce qu'au bout d'un moment, quand la foresterie va bien pousser,
Je vais avoir un afflux de bois juste énorme. Et cette foresterie-là, je vais la supprimer. Parce que voilà. Pièce. Hop. Voilà. Est-ce qu'ils vont continuer à détruire les arbres? Apparemment oui. Donc c'est bon. Moi ça me va. C'est bon, je repasse en positif dans les sous. Bon, c'est surtout déboiser la partie là qui me rapporte de l'argent. Mais... Ouais, c'est bien. Alors, évidemment, ils sont tous occupés à faire ça. Et résultat, j'ai personne pour la construction du bâtiment que j'attends. Donc, il me faut plus de personnel. Allez, j'en ai engagé une centaine. Plutôt. Eh ben, c'est bien, ils s'y mettent tout de suite, comme ça, c'est nickel. Allez, parce que j'ai plus le retour du live. Retour du live, s'il te plaît. C'est bon. Ouais, je reviens sur le jeu peut-être. Voilà. Voilà. Bon. Bah ça progresse. Et à terme, j'aurai plus qu'à dupliquer ces cellules-là dans le bâtiment qui est là. Et... Alors là, c'est parce que c'est la salle commune. Alors, je vais mettre les endroits comme ça où il y a des problèmes. Je vais mettre des patrouilles de chiens et de... Petite sauvegarde automatique qui me pose problème. Alors, hop. Voilà. Et je vais y mettre 3 mecs. 1, 2, 3 et 2 chiens. Voilà. Et là, je devrais plus avoir de soucis. Je mets aussi un gardien en patrouille. Généralement, je fais cette composition-là pour les patrouilles. Pourquoi j'ai Firefox qui bug encore? Moi j'ai Firefox qui je sais pas, il marque ne répond plus, arrive à un moment, je sais pas. Bon, c'est peut-être le live qui... Parce que j'ai le retour du live en même temps. Peut-être ça qui coince, j'en sais rien. Alors, il y a ça. Alors, on va... Ouais, on va... Absolument que je regarde. Alors, une patrouille, là, en plein milieu des... Hop, à la cantoche. Hop, deux chiens et un gardien. Ok. La cour. On va faire ça en... Ouais. On va faire ça en carré comme ça. Hop. Deux chiens et un gardien. Non. C'est un gardien que je voulais. Voilà. Les douches, ouais, les douches aussi, on va tout faire. Désolé les filles, mais... C'est ce que c'est, intimité féminine, tout ça, mais... Comme je l'ai déjà dit à l'épisode précédent, vous n'êtes pas en club de vacances.
Voilà. Ok, l'infirmerie. Normalement, l'infirmerie, il se passe jamais rien. Il n'y a jamais de souci à l'infirmerie. Allez, encore une émeute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là. C'est dans les dortoirs. Et j'ai l'impression que c'est... Les mètres secs sont... Enfin, les moyens de sécurité sont plus virulentes que les hautes sécurités. C'est assez bizarre. D'habitude, c'est toujours les hautes sécurités qui foutent le sbeul. Et là, chez les femmes, ça a l'air d'être les meds qui posent problème. Bon. Ah non, là, c'est chez les hautes sécurités, ça. Mais pourquoi tu... perdu la zone, c'est ça? Ah non, ok, c'est parce que je... Ok. Avec le tactile, je me suis planté, je faisais un clic droit, mais un clic gauche. C'est rien, c'est rien. Ok. Les medchecks, je... Enfin, les basses sécurité, je vais les laisser tranquille. Pour le moment. Les mettre parce que j'y suis. C'est encore en émeute. Bah écoutez, si c'est en... si dans... Allez, je vais y mettre fin, hein. Je vais pas avoir le choix, hein. Allez, tirez à vue. Il y en a 10 qui posent problème encore. Vous me les calmez. C'est où? Elle est où les meutes? Elle est là, ok. Elle est là la fameuse émeute. Alors, hop, on va prendre tout le monde. Tout le monde! Et on va calmer. C'est bon. Reste encore là. Ok. Il y a une émeutière là, vous me la calmez. C'est bon. Bon, et on arrête de tirer à la vue parce que... Ouais, il y a du répondant. Bon, il y a beaucoup de... Mais le problème, c'est mes gangs. Je commence à avoir des guerres de gangs qui commencent à exploser dans ma maison... Dans ma... Ouais, maison de correction, je vais dire, oui. Donc, je vais... Faut que je résolve ce problème. Bah on va en faire une petite partie ensemble, mais à terme... Donc, gang, voilà. Donc, hop, on va mettre en pause. Alors, surtout, la priorité, en fait, c'est sur... Enfin, en fait, il faudrait tous les emprisonner pour faire bien. Putain, il y en a trop. D'accord. Ok, ici il y a une prise de contrôle. J'en ai combien là? 5, 6. Allez, on va en mettre 9. Voilà, histoire de reprendre le contrôle, parce que...
Et ça, c'est un problème, c'est que là, le truc, c'est que si je veux, voilà, si je voulais résoudre mon problème de gang, il faudrait que je voie chaque prisonnier un à un. Alors, voilà, déjà, je peux pas cliquer sur le prisonnier quand je suis en mode gang. Je suis obligé d'être dans information, sélectionner, montrer la fiche, très haute sécurité, sanctionner, isolement permanent. Voilà. Il faut que je fasse ça pour chacun des... pour chaque membre de gang. C'est long. C'est long. J'ai 800 prisonniers à voir comme ça. C'est... Non, enfin, pas 800. J'en ai 70 plus 43 plus 42. Ben voilà, quoi. Chiant. C'est chiant. C'est long, c'est chiant. Alors sinon, il y a une autre solution, mais la solution est un petit peu idiote, si on veut. C'est que je me poste à un endroit, du genre, ben, un endroit vraiment de passage, hein, du genre ben, la sortie, voilà, la sortie des ISEC, par exemple. Ouais, donc, voilà. Et en fait, tous ceux qui ont une tronche avec un tatouage, ben, je les mets à l'arrêt, quoi. Hop, très sécurité, isolement permanent. Hop. Voilà, et faut que je visite tous comme ça. C'est relou. C'est relou. Tiens, hop, un membre de gang ici. Alors, c'est sympa, c'est quand c'est affiché sur leur tronche, quoi. Mais quand c'est dans la foule, faut s'approcher, hein. Pour tous les repérer. En plus, ceux qui sont de dos, on les voit pas. Donc, bon. Hop. Pourquoi je vois pas son casier? Ça bug. Ah bah là, là j'ai une belle brochette là, vous voyez. Donc. En plus, c'est un gros membre de gang, donc voilà. Ici. Mais je peux pas le voir. Je sais pas pourquoi, c'est un bug. Voilà, c'est la sauvegarde automatique qui a fait bugger, mais... pourquoi je peux pas voir leur casier? Il y en a, je peux pas voir les casiers, je sais pas pourquoi. On est plus au contrôle au moins ici. On est plus au contrôle ici, c'est pour ça qu'il... Aïe 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 le dallage. Qu'est-ce qu'il me faut? Faut que je reprenne le contrôle de certaines salles. Donc... C'est pas compliqué, j'ai principalement deux salles. J'ai la cour qui est prise par le gang bleu et la salle commune qui est prise par les rouges. Bah déjà, premièrement, voilà. C'est-à-dire que les rouges sont quasiment tous là. Donc là. Ouais, là en plus ils sont un peu en dehors, donc en fait faut que je les chope à la sortie. C'est ça le truc, c'est qu'il faut que je les chope à la sortie de leur zone. Elle, très bonne sécurité. Voilà, mais faut que je fasse ça bah, pendant une bonne heure. Mais faire tout un live là-dessus, ça va être un petit peu relou, quoi. Voilà. Après, je peux passer voilà dans les cellules d'isolement et faire ça à répétition dans la cellule d'isolement, mais. Au moins là, elle n'en sortira plus jamais. Mais voilà quoi.
Alors, c'est bizarre. C'était pareil hein, chez les mecs. Quand il y a certains prisonniers comme ça, quand tu leur annonces en gros qu'ils vont être condamnés à l'isolement permanent, parce qu'ils sont membres de gang, ils se mettent à avoir une envie de pisser. C'est drôle. Bon voilà, vous avez compris un peu le délire. Et le problème, c'est qu'on peut pas sélectionner tous les membres de gang. Ou alors... Non, je peux pas... J'ai pas d'option quand je clique dessus. Genre, ça serait super sympa, c'est qu'on puisse tous les sélectionner ou engager une sanction pour tout le membre du gang. Enfin, trouver une solution pour... Parce que voilà, là, c'est là... Je suis envahi quoi. C'est une invasion quoi. Donc clairement... Attendez, je vais vérifier un truc. Ouais ok. Alors après, ce qu'il faudrait, c'est que je recrute des informateurs. Ça me permettrait d'aller un poil plus vite, mais pas tant que ça. Bizarre, quasiment toutes les nanas qui sont parties de gang, elles ont le crâne rasé. C'est... bizarre. Et là le problème c'est que si je les enferme pas tous, maintenant que j'ai commencé, c'est que ben, ceux qui sont restés vont se venger, vont provoquer des émeutes. Donc voilà. Là je suis parti pour faire ça quoi. On va s'arrêter là pour ça. Ouais, de toute façon, ça va faire bientôt 3 heures que je live. Donc on va s'arrêter. On va s'arrêter dans 10 minutes. Normalement, hop, voilà. Mon bâtiment est construit. Donc je vais m'occuper, c'est de augmenter la quantité de. Ah je peux pas. D'accord. Et en largeur. Non, je peux pas. Ok, bon, on va faire comme ça alors. On va faire comme ça. Voilà. Et là, je vais donc créer des nouvelles cellules parentales. Les gens, ça fait comme si on devait gérer une catégorie supplémentaire. C'est pas forcément génial. Enfin, l'histoire des prisonnières femmes, hein, j'entends. Pas des prisonnières mères. Enfin, je vais y arriver. Salut à toi qui est passé sur le chat. Ah, sur le live.
Donc je sais pas quand est-ce que ça. Là je live un mercredi, c'est exceptionnel, hein. C'est parce que j'ai posé mon après-midi. Donc c'est pour ça que je live un mercredi. Mais c'est exceptionnel, hein. J'essaierai de liver davantage les samedis, mais je peux pas liver tous les samedis. C'est un peu le bordel en ce moment, hein. Encore une fois, hein. Tirer un câble ici pour alimenter aussi en électricité ici. Il va me falloir la flotte, il va me falloir tout ça. Donc... Voilà. Et là, vous voyez, on est à 900 prisonniers et beaucoup de personnel, hein, aussi. Hein. On a aussi beaucoup de personnel. Ça fait beaucoup d'entités dans le jeu et résultat, vous voyez, je suis en x10 et ah, encore ça va. L'horloge, elle tourne encore assez rapidement, mais il y a déjà eu un gros ralentissement. Salut à toi qui es sur le live actuellement. Donc ces cellules-là vont être créées pour les prisonnières mères. Où j'en suis dans mon... C'est moi où j'ai l'impression que tout est plein dans le... J'ai l'impression que tout est plein dans le bloc d'isolement. Des câbles qui sont pas reliés plus haut. Pourquoi. Bon, ici, hop, je vais déjà aller jusqu'au bout. Et je construirai la fin du bâtiment ici plus tard. Que j'ai des morceaux de bâtiment là, c'est assez bizarre. Pourquoi j'ai des... Je suis même pas sûr que ce soit des bouts de bâtiment, je sais pas ce que c'est. Enfin. En tout cas, je vais peut-être commencer à faire l'extension du bâtiment là. Un peu, je peux aller jusqu'où avec 180 000, je peux aller jusqu'au bout. Bah, bing, allez, tout ça va être un bloc d'isolement. Et ça y est, donc j'ai mes problèmes de mère fille, enfin de mère fille. Oh là là, je vais y arriver. De prisonnière mère qui est résolue. Et ma prison est presque pleine. Ouais, il va vraiment falloir que j'agrandisse encore les cellules ici. Ouais, je vais le faire, hein. Je continue, hein. Je vais faire des grands bâtiments. Hein. Ici et jusque. Ça, c'est pour les high-tech, ça
c'est pour les mètres secs. Et ça, oups, pas ici. Ça, c'est pour les lots secs. Voilà. On pourrait aussi envisager d'agrandir le parloir, de transformer quelques parloirs en correction, en conditionnel, je veux dire. Bon. Je vais voir où sont les gangs. Donc ici, c'est toujours plein. Top. Alors ici, il y a un chef, là. Hop, on va aller le choper. Enfin, il y a une chef, résultat. C'est une chef de... Hop, allez. Entrée de sécurité. Elle est déjà en train. Elle est déjà en train de sécurité. Elle est déjà sanctionnée. Ok, d'accord. Elle est partie à mon avis. Que je gère ça. Ouais. Ok. Donc ça, c'est. C'est une impermanence. Voilà. Je veux pas voir de mètres secs, enfin de très haute sécurité qui sont dehors. C'est en cellule. Si possible à l'isolement. Bon, on va en faire une petite partie. Allez. Donc ici c'est. Ici, hop, entrée. Bon, ici. Ouais, entrée. Sécurité. Isolement. J'en ai vu une autre ici. Il y en a encore une là. Il y en a encore deux là. Trois même. Bon, j'ai mon écran qui commence à rougir, donc c'est Flux hein, qui annonce que le soleil est en train de se coucher. Donc, et ben, ce live va... Oula. Mais pourquoi tu te mets toute nue pour frapper, madame? Ça n'a aucun sens. Ça aucun sens. Madame, ce que vous faites n'a aucun sens. Arrêtez. En plus, elle passe à travers les murs, tout va bien. On va terminer par toi. D'accord, elle est tombée inconsciente apparemment. C'est ouf. La nana, elle s'est foutue à poil, elle a commencé à frapper sur la porte. Non mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand c'est un mec, enfin quand c'est une prison de mec, tu comprends que le mec se met torse nu pour frapper, mais je sais pas, là ça fait très très bizarre sur le... sur la... Mais arrêtez! Ça fait très très... enfin je sais pas, ça fait chelou sur... sur une prisonnière. Enfin, ouais, il est 17h02. Allez, je m'arrête là. Hop, dernière sanction. Et puis, je continuerai hors caméra à gérer mes problèmes de gang. Et on fera le point lors de la prochaine...
lors du prochain live, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu le prochain live. Checkez sur ma page, enfin, suivez-moi sur Facebook pour le savoir. Je préviens souvent la veille. Sinon, je mets l'événement aussi en programmation sur YouTube à l'avance. Donc voilà, quoi qu'il en soit, donc là, je vais tout de suite, tiens, même là, tout de suite en direct, juste avant de couper le live, je vais tout de suite mettre le... la rediff du premier live, enfin, alors, la rediff du premier live est en trois parties. Vous aurez la première partie là tout de suite, là je vais la mettre en ligne. Là, quasiment en direct. Et vous aurez la deuxième partie demain. Donc pour les gens qui sont en live demain. Et la troisième partie du premier live, vous l'aurez donc... enfin la troisième partie, vous l'aurez après-demain. Et normalement, ce live-là, vous aurez la rediffusion samedi et dimanche. Voilà, donc ça veut dire là on est mercredi, donc vous aurez là la première partie là tout de suite, la deuxième partie demain jeudi, la troisième partie vendredi, et samedi et dimanche vous aurez normalement la rediffusion de ce live, et vu qu'on a fait 3 heures, et ben vous aurez également la troisième partie de la rediff de ce live lundi prochain. Voilà, donc une rediff de live par jour jusqu'à lundi prochain, en attendant que... Donc, la rediffusion est en haute définition, contrairement au live qui est en 480p. Je suis désolé, je peux pas faire autrement, les mecs. J'aimerais, hein, j'aimerais vraiment faire autrement. Tiens, je vais même changer la miniature de la rediff, là. Je vais mettre sur le jeu, je vais mettre le, voilà, la vue d'ensemble. Oups. Voilà, que vous puissiez profiter de la vue d'ensemble de la prison. Voilà. Et donc, définir comme miniature. Ok, et je la passe en public. Et... Normalement c'est bon, normalement vous êtes censé avoir la rediff du live première partie là tout de suite qui est accessible. Et sur ce, ben je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir suivi. C'est bon, le live est coupé et ben il reste plus qu'à dire au revoir à la VOD. Ben, merci d'avoir vu cette rediffusion pour vous qui reste, enfin, qui est en VOD. Et pareil, je vous dis...